Hey, bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Vous voulez que je vous emmène dans une nouvelle explo? Une exploration d'un site qui est assez mystérieux. Assez dingue. Et il y a un côté bizarre aussi. Ça vous tente qu'on aille le voir? C'est une sorte de petite grotte avec plein d'objets insolites dedans. Vous êtes chaud? On y va? Vous êtes sûr? Vous voulez me suivre? Allez, bon visionnage! Bon, faut chercher, hein. Faut chercher, chercher, chercher. Allez, est-ce que c'est là-bas? Est-ce que c'est par là-bas? On y va? Voilà, alors on a trouvé l'entrée. On va s'y rendre directement. Donc pour ça, il faut qu'on monte ce joli petit chemin. En attendant, moi je vous retrouve en haut. C'est impressionnant. Donc voilà, là je rentre dans la grotte. C'est rigolo ce truc. Incroyable, il a fait ça. Voilà, donc l'entrée est assez rigolote. Ici, on voit qu'il y a comme une roche. Donc, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Vous êtes chaud? Allez, suivez-moi, on y va. Donc, voilà. Alors là, je suis dans la grotte. Regardez-moi ça. Ouais, de toute façon. C'est dingue. Ouais. C'est assez... Non, elles sont plus là-bas. C'est vraiment incroyable ce lieu. Donc voilà. Là on a fait le tour des endroits où on ne peut plus y accéder. Comme là-bas au fond, on ne peut plus y accéder. On pourrait mais c'est chaotique quoi. C'est pas vraiment sur quoi on va marcher. Ce qu'on va éviter. Mais c'est vraiment génial. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cavité, Maurice a évacué jusqu'à 135 tonnes de gravats, de molasses, de terre, de cailloux, etc. Et il avait qu'une bougie pour s'éclairer durant le travail qu'il effectuait cette mine. De un, la bougie était pour s'éclairer, et deux, pour savoir le taux d'oxygène qu'il y avait dans la galerie. Mais qui était ce personnage? Il s'appelait Maurice. C'était un personnage hors du commun. Il était muet, malentendant. Il n'était jamais malade. Oui, juste une fois, il a eu l'appendicite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Maurice ne portait ni chaussures, ni slip, été comme hiver. C'était un personnage hors du commun. Il ne fumait pas, il ne buvait pas, il vivait comme bon lui semble. Il faisait plein de petits travaux dans les villages adjacents pour s'acheter de la nourriture. Personne ne savait vraiment où il habitait. C'était un ermite. Ce personnage est décédé à plus de 100 ans. Personne ne sait vraiment l'âge qu'il avait, mais il estime qu'il était plus de 100 ans. Et cette grotte était son repère.
européenne, quoi. C'est vraiment un endroit super original, vraiment avec une histoire assez particulière. Et dedans, il y a des trucs. Mais vous imaginez même pas le nombre de trucs qu'il y a dedans. Il y a des carrelages, il y a des briques, il y a des lampes, il y a des néons. Non mais vous imaginez même pas. Vous verrez tout ça, vous avez vu tout ça dans la vidéo, quoi. En gros, pour voir mes vidéos, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, abonnez-vous par ici en bas, je sais jamais de quel côté c'est, ah c'est chiant, mais abonnez-vous, mettez la petite cloche, ça vous verrez toutes les vidéos quand elles sortent. Suivez-moi sur Instagram, je le mettrai par ici en haut ou par là, bah, vous verrez où il est, mettez une petite flèche. Et puis, à la prochaine alors, pour une nouvelle vidéo, ça vous tente? Ah, je sais que ça vous tente. Allez, on y va? Moi je vous laisse, je vais continuer, je vais rentrer. Alors à tout plus, à bientôt, ciao.